Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comment nous lever, comment nous passer journée, nous? N'a pas annoncé ou que ces amis ont éclairé info qui entre la caillou dans l'idée pour nous former ou et informer ou sur ensemble de réactions qui a passé chaque dernière minute, yo. Et n'a pas dit ou pas oublier que nous sommes amis et que nous voulons être fidèles ensemble avec vous. Et nous besoin assistance pour aider nous à avancer avec vision ça. Et bien pour nous pas faire plus de temps, dans quatre conférences pour la presse journée 2 mars 2021, plusieurs membres de l'opposition chita parler pour et ce gros match qui était organisé dans le jour qui était 28 février. Hein? Et puis ils ont tout profité voyant un message pour madame Hélène Lalmile. Mauvais esprit, mauvais pensée yo. Et dans le pays d'Haïti, Dr. Ernst Pardy, c'est un psychiatre, les victimes de une tentative de kidnapping. Et malgré toute résistance que l'on a fait, il est arrivé à joindre la mort. C'est à Glonanger, les amis, famille, approche de fin ça, recevoir une nouvelle ça. Et dans le jour qui était, dans jeudi 2 mars là, qui c'est jeudi, hein, et collègue travail docteur t'est déposé yon flè dans espace côté accident arrivé et yo t'est tout profité voyer un message by responsable concerné. Nous va arrêter et suivre avec nous avec attention information et qui ça qui t'a passé et comment mon yo t'est senti yo dans genre de situation ça. C'est très dur lorsque vous avez un collègue qui travaille ensemble avec vous. Et puis, un beau jour, le vous regardez ou pas, il disparaît à cause de qui ça? C'est pas de maladie. Maintenant, il crée comme ça, il disparaît. On aurait été suivre. Il dit qu'il est un médecin qui fait ville à travail pour une société, ville à travail pour des enfants, ville à travail pour les soins, la santé. Pas uniquement cela. Cadre suivi grand événement qui était fait 28 février 2021 qui c'est gros manifestation que commission protestante contre dictature en Haïti t'est lancé de concert à fédération des barreaux d'Haïti et n'a marché pour la vie qui regroupait organisation droits humains, des personnalités, des universitaires et secteur syndical haïtien. Donc, conférence pour la presse, nous avons eu pour nous apporter quelques éclairages sur la mobilisation historique qui a été faite le jour qui était 28 février 2021. Marche qui a réuni plus passé 1 million de monde dans Port-au-Prince et plusieurs centaines de milliers de monde dans différentes villes provinciaux. L'idée est faite à l'appel de trois entités SAIO pour nous capables d'exiger respect constitution 1987 là et dénoncer une dictature qui a soutenu une dictature qui a pris pied en Haïti et qui a soutenu par la communauté internationale là, notamment BINU, qui est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, avec Madame Lalim,
qui toujours a ignoré la bataille population haïtienne, non? Et qui toujours. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'être nous présents. Merci et au nom de la Société haïtienne de pédiatrie et au nom de toute pédiatrie pour présence nous dans ces circonstances que nous trouvons qui malheureux. Et c'est vrai que nous avons plutôt que c'est dans d'autres circonstances, côté que nous-mêmes, peut-être, nous aimons parler de la vie et de tout ça qu'a fait. Et puis voilà que nous réunis pour nous parler de la mort, pour nous marquer la perte au monde qui est cher à nous-mêmes, Dr. Ernst Paddy. Ernst Paddy, qui c'est un médecin qui fait ville à travail pour une société, ville à travail pour des enfants, ville à travail pour les soins, la santé. Pas uniquement cela. Nous avons fait un kidnapping par exemple.